bonjour à tous. La parabole que nous venons d'entendre ressemble étrangement à celle que nous avons entendue dimanche. Il s'agit d'un homme qui part et puis qui confie des biens à faire fructifier, et à son retour, il demande des comptes. La grande différence avec la parabole de ce dimanche, c'est que cet homme, il est roi. Et en fait, certains vont reconnaître sa royauté et d'autres non. Et ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est qu'en fait, le fruit de nos vies, comme le fruit pour ce serviteur, le fruit de nos vies est lié à l'accueil de la royauté de Dieu en nous. Cela veut dire que si nous voulons faire fructifier nos vies uniquement à partir de nos talents et de nos efforts, c'est insuffisant. En fait, la clé, c'est est-ce que je reconnais Jésus comme le roi de la totalité de ce que je suis et